never needed anyone, and making love was just for fun. Those days are gone. Promesse tenue ce soir. Quand je vous ai dit, Hugo, en ouverture, qu'on allait avoir l'une des finales les plus vocales de l'histoire de The Voice, je ne vous ai pas menti. Reprendre cette chanson d'Éric Carmen après tant d'années, après Céline Dion et tant d'autres. Ici, Jérémy Levif, à tel niveau, dans l'équipe de Vianney, je dis, vous êtes à votre place, vraiment. Le 2 par SMS au 72 500 ou par téléphone au 34 80 si vous souhaitez que Jérémy Levif soit le grand gagnant ce soir de The Voice, puisque nous vivons une finale exceptionnelle. Comment t'appelles-tu ? Hugo. Et Hugo, comment tu t'es retrouvé là ? Bah, on m'a sélectionné. On avait dit qu'on cherchait un garçon. Avec les yeux bleus. Et une casquette. Oui. Et après, on m'a sélectionné. C'était une surprise de bord, de base. Et je ne savais pas. Elle me l'a dit le mercredi. T'es content ? Et le samedi, tu es à la télé. En plus, tu as le même prénom que le fils de Jérémy. C'est extraordinaire. Et la femme de Jérémy, Kirstine, est dans le public. Trop mignon. Vianney, pourquoi il peut être de voix, Jérémy, ce soir ? Ah, ça c'est la question qu'on n'aime pas. Oui, je la pose à tout le monde, ouais, hein, vous allez tous la voir, enfin, préparez-vous, sauf à Big Flo et Oli. Quoique. Non, moi je peux juste vous parler de Jérémy. Juste vous dire que ce qu'on voit là, ces prestations-là, il faut rappeler aux gens que ce sont des gens normaux qui viennent, ce ne sont pas des professionnels de la musique. Jérémy, il y a un truc que je ne t'ai jamais dit, mais tu es un stit, voilà, tu es prof.
Moi, je suis un fils de prof. Donc, si tu veux, depuis le début, il y a un truc en moi qui résonne, forcément. Et on ne soupçonne pas que bah, les profs, ce n'est pas juste des passionnés de leur domaine, de leur métier. Ils ont aussi des choses à côté qui les animent. Et parfois, ça fait du bien, tellement c'est un métier qui n'est parfois pas super valorisé. Voilà, je parle en connaissance de fils de prof. Et voilà, donc c'était un truc chez toi qui m'a toujours touché et je ne l'ai jamais trop mentionné parce que bah, c'est un peu privé tout ça. Ben, n'empêche qu'on bah, peut être prof et faire ce qu'il a fait là, c'est-à-dire s'attaquer à un monument de la chanson de la voix. Et ça aussi, je dois te l'avouer, moi, j'y serais jamais allé à ta place. Voilà, mais sauf que... Sauf que... Tu es certes, comme tout le monde me le dit, quand on m'arrête dans la rue cette semaine, je confirme que tu es très humain, très humble, tu es quelqu'un de bien. Mais sauf que tu es audacieux aussi. Et tu as eu ce caractère qu'il fallait pour dire, bah, cette chanson... Oui, je peux peut-être me péter la gueule, mais de toute façon, on rentre tous chez nous ce soir. Je joue pas, je suis pas en compète, je viens donner ce que je sais faire de mieux. Et avec enseigner, moi, mon truc, c'est le chant. Et tu es venu nous prouver que tu étais un immense chanteur. Juste merci. Un immense bravo. Merci, Diana, merci, coach. On voit votre fierté. Plein de bonnes choses pour ce soir, mon cher Jérémy. Je sais que vous allez revenir chanter pour chanter avec la révélation masculine aux Victoires de la musique, avec Pierre Demar, qui partagera avec vous son tube un jour, Je marierai un ange.